passant toujours son côté à comme Jésus-Christ. Nous saluons tous les saints au nom de Jésus-Christ. Nous saluons tous les saints au nom de Jésus-Christ. Je crois que la joie de Jésus-Christ est parmi nous. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Victoire de Dieu, véritable, la vie éternelle. Nous allons chanter un tout petit peu, ce monde n'est pas chez moi. Donc, le monde n'est pas chez moi. Même s'il n'y a pas le joueur de synthétiseur. Nous allons utiliser nos voix pour le faire. Ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Moi je ne sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Seigneur, Seigneur, tu sais, n'y a point d'ami comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Yeah.
sans jamais comme chez moi dans ses bras. Nous allons baisser nos têtes et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde de notre Dieu. Qu'il puisse nous parler et fortifier l'instrument de ce soir. Qu'il puisse aussi nous donner un entendement spirituel. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu véritable et la vie éternelle, toi qui as permis que nous nous retrouvions ici. Yahweh, mon Dieu, mon roi, que la gloire, la louange, l'adoration te revienne, Seigneur, à tous égards, ô Dieu. Ô Dieu, nous venons, Seigneur, implorer ta grâce, ta miséricorde, ô Dieu, ta longanimité, ô Dieu, à notre égard, parce que nous ne sommes rien, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Dieu, ce soir. Fais-nous grâce, ô Jésus, au culte de ce soir, ô Dieu. Parle-nous, Seigneur, parce que c'est toi le véritable orateur de cette alliance. Les messagers de l'alliance que nous attendons, Seigneur, que tout le peuple attendait, c'est toi, ô Dieu. Parle-nous, ô Dieu, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, amène-nous, Seigneur, ô Jésus, à l'image de ta parole, à l'image de ton Fils, ô Dieu. Seigneur, donne à tout un chacun de nous, pensamment comme encore la mission, non, ici qu'en entendement et à mon limon. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Nous sommes devant le Seigneur, il faut être dans la joie. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Nous sommes de ceux-là qui sont joyeux lorsqu'ils se présentent devant Dieu. Si tu n'es pas joyeux dans ce moment, je ne sais pas quand est-ce que tu seras dans la joie. David dit dans le livre des psaumes, tu me donnes plus de joie que eux n'ont pas. Lorsque leur mou et leur froment abondent dans leur maison. David dit qu'il a plus de joie qu'il a reçu du Seigneur. Et cette joie-là n'est pas comparable à celle des païens lorsqu'ils ont beaucoup de biens. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il faut être dans la joie. Parce que tu es devant le roi de rois. Amen. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 45. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Nous prenons acte des apôtres, chapitre 26. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, je subsistais jusqu'à ces jours. Rendant témoignage devant les petits et les grands. Sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse
sont déclarés devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Le verset 24. Quand il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et j'en parle librement. Je lui en parle librement. Car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. Puisque ce n'est pas à cacher qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Vous devenez tel que je suis à l'exception de ces liens. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons continuer avec la lecture. Nous prenons le livre de Ézéchiel chapitre 8. Nous sommes au canal Ézéchiel au Capoléon à Moambé. Ézéchiel chapitre 8. En lisant comme ça, nous vous aidons même à lire la Bible. Parce que parfois tu ne les lis pas. Nous allons lire la Bible. Nous prenons Ézéchiel chapitre 8, le verset 1er. Ézéchiel est mon capon à moi. La sixième, nous lisons l'ordre de Jésus-Christ. Amen. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, nan vula oya motoba, nan mikolo oya mitano, pe nakatina sansa oya motoba. Comme j'étais assis dans ma maison, lokolanga ina fanga tina katia nakolanga, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, pe mapaka ya Juda ba fanga ni pe nakolanga. La main du Seigneur de l'Éternel sur moi. J'ai regardé, Nathalie, et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose éclatant comme des reins polis. Il étendait une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. À l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion. Où était l'idole de la jalousie?
qui excite la jalousie de l'Éternel. Je prends le verset 6 et il me dit, fils de l'homme, voici ce qu'ils font. Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et j'ai regardé. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Dans la pesa, la carte est encore. Babylone pesa ya banyama. Oh, batambo la kababumunase. Pesa banyama. Yazamba bazalakuana. Et toutes les idoles de la maison d'Israël peintent sur la muraille tout autour. Et Tamina Efelo, Jina Jina Yamonyoso. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, et Paiwapi Jazabazalaki, fils de Shaphan, s'est tenu devant ses idoles. Chacun l'a s'asseoir à la main. Et il s'est levé une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, voici ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël. Chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Yahweh a sundoli mboka. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Amen. Zambé a parlé la mort encore. Amen. Nous poursuivons avec les thèmes de notre séminaire. Nous voulons dire que la chose la plus importante dans l'église de Dieu, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement bien-aimé. C'est la recommandation que le Seigneur Jésus-Christ avait laissée. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement, c'est l'ordre que Jésus-Christ a donné. Et les serviteurs après Jésus ont le devoir d'enseigner au peuple. Parce que le peuple qui sera enlevé, c'est le peuple qui est bâti sur l'enseignement de Jésus-Christ. Et personne ne vous trompe. L'église qui n'est pas bâtie sur l'enseignement ne verra pas non plus le Seigneur Jésus-Christ. Et je voulais vous dire une chose. Nous sommes dans des temps fâcheux, difficiles, où la séduction
persécution est en train d'envahir plusieurs églises. Oyo kozimbi sama ezana kosimba ba église a ebele. Où les gens abandonnent facilement l'enseignement. Oyo bato bazana kotika bilakisi. Alors que c'est l'enseignement, c'est dans l'enseignement qu'il y a le salut. Nzokande na kati na bilakisi de bipa ilobi ko salut. Je dis que cela ne doit pas être ainsi avec nous. Nous devons désirer que la parole de Dieu puisse habiter en nous abondamment. L'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 2, il dit aux frères de s'attacher aux choses qu'ils avaient entendues, de peur qu'ils ne soient pas emportés loin d'elles. On doit toujours s'exercer à s'attacher à l'enseignement des apôtres. Il ne faut pas suivre la distraction de toutes les églises. Il y a des églises qui ont déjà cessé la construction il y a longtemps. Non, la construction, il y a longtemps. Parce que l'œuvre de Dieu que nous faisons, c'est toute une construction. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et celui qui vient bâtir dessus, c'est là bâtir dessus. Et celui qui vient après moi, bâtir dessus. Ça veut dire tel que nous sommes là. Nous sommes en train de bâtir le peuple de Dieu. C'est comme aussi les gens de la tour de Babel. Ils étaient en train de construire. Mais lorsque la confusion est venue, ils ont cessé de bâtir. C'est pourquoi je dis que beaucoup aujourd'hui ne bâtissent plus. Ils prient, mais quand tu le vois, ils ne sont pas dans la vraie adoration. C'est ça. Peut-être qu'ils avaient aussi commencé avec Dieu. Mais arrivé quelque part, ils ont emprunté le chemin qui les a amenés à la perfection. Je vous dis bien aimé, ce n'est pas beaucoup de gens qui y ont, ce n'est pas tout le monde qui a mal commencé. Non. Beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui aussi avaient bien commencé. Ils professaient aussi la saine doctrine. Mais à un certain moment, ils se sont lassés. Ils ont adopté les coutumes des païens. Ils ont fait entrer des confessions qui ne sont pas des confessions de la Bible. Ils ont rejeté la saine doctrine de Jésus-Christ. Et puis ils ont fait naufrage dans la foi. Maintenant, nous, lorsque nous voyons ces gens-là, nous ne devons pas nous glorifier en nous-mêmes. Parce qu'il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comme nous, nous sommes dans la marche, on doit aussi veiller au fait que nous ne terminions pas comme ces gens-là. Les gens qui autrefois confessaient que la femme ne peut pas prêcher, mais aujourd'hui elles-mêmes deviennent des guerriers pour défendre cette confession-là du ministère de la femme. On a vu des gens dans le passé, ils s'appelaient tous des frères. Mais aujourd'hui, ils sont des leaders. Ils ont même ouvert des écoles de leadership. Ils veulent dominer sur les autres tels qu'on les trouve dans les partis politiques. Mais ils appellent ça toujours église des dieux. Lorsque vous voyez ces gens-là,
ont déjà fait naufrage dans la foi. Maintenant, c'est quoi le problème? C'était le problème de l'enseignement. Donc tu dois être bâti sur l'enseignement. Tu dois être affermi dans la connaissance de Dieu. Si tel n'est pas le cas, toi aussi tu vas finir comme eux. Tu n'es pas un homme spécial, frère. C'est la grâce de Jésus qui a quelque chose en toi. La Bible dit, c'est du peuple, on va séduire les traîtres de l'alliance. Ma copine, oui, on va séduire les traîtres de l'alliance. Les traîtres, ils sont traîtres. Donc ils avaient l'alliance. Mais ils ont rejeté l'alliance. Parce qu'on les a séduits. Mais la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils agiront avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Aujourd'hui, l'enseignement que nous prêchons aujourd'hui, avant cet enseignement n'était pas pénible. Parce que les gens étaient de plus en plus spirituels. Mais aujourd'hui, l'enseignement devient très difficile dans la vie des gens. Ce n'est pas que l'enseignement a changé, mais c'est que les gens sont devenus charnels. Mais Jésus-Christ l'avait déjà dit. Il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour c'est garder les commandements. Maintenant ça va se refroidir. Donc ça va se refroidir. Ils auront des écritures qui les respectent. Et des écritures qui ne respectent pas. Les écritures qui leur mettent à l'aise, ils vont accepter ça. Et les écritures qui leur mettent mal à l'aise, ils vont rejeter ça. C'est ça le refroidissement de l'amour de Dieu que Jésus avait prédit. Mais que cela ne soit pas ainsi avec nous. Nous devons garder la parole de Dieu. Et les choses de Dieu se retrouvent dans les Écritures. C'est dans les Écritures que se trouvent les choses de Dieu. Que ce soit la vie, l'enseignement, la parole. C'est dans les Écritures. Paul avait dit qu'il s'était appliqué à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est pourquoi vous devez cerner ou vous devez bien prêter l'oreille. Vous devez bien prêter l'oreille à l'enseignement. Nous ne sommes pas en récréation. Nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes après la bonne année. Et directement, c'est le temps des vacances quand même. Nous devons nous reposer. On a fait quand même une année, on ne fait que venir à l'église. Non, frère, nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes en train de persévérer. La terre n'est pas un lieu de repos pour nous. Dans nos faiblesses, nous faisons des efforts pour persévérer. Là où je ne parviens pas, je dis à Dieu de m'aider. Mais je ne veux pas sanctifier le mal. Je ne veux pas élever mes faiblesses. Parce que la parole demeure telle qu'elle est. La parole ne va pas changer. David dit, tu as prescrit tes ordonnances afin qu'on les observe avec soin. Donc quand Dieu a donné ses ordonnances, il voulait que les hommes puissent l'observer avec soin. Donc soin veut dire quoi? On doit observer une par une telle que les
Seigneur les a donnés. Lorsque David a compris cela par le Saint-Esprit, maintenant il prie à Dieu en disant, il dit, puisque mes actions, fait que mes actions, allaient être bien réglées. A pu être bien réglé dans l'aliment. Et ça présent la quatrième. Donc selon les ordonnances que tu as données. Afin que lorsqu'on viendra parler de tes ordonnances. Que moi je ne sois pas dans la honte. Et comment ces gens ont compris Dieu? Psaume 119, verset 4 à 5. Jusqu'au verset 6, on dit ceci. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées. Afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point. À la vue de tous les commandements. À la vue de tous tes commandements. C'est comme ça que David a compris. C'est quand tu donnes sa parole. C'est pour qu'on l'observe avec soin. Et David peut te donner la mère. Il demande à Dieu de lui faire grâce. Qu'il puisse marcher dans la droiture. Et garder la parole de Dieu. Parce qu'on viendra parler de cette parole. Maintenant, on viendra parler de la parole. Et toi, tu ne sois pas dans la honte. Par exemple, Dieu dit, tu ne commettras pas l'impudicité. Maintenant, quand tu es en train de te justifier, oh non, quand même, la chair est faible. C'est bien. Il y a quelqu'un qui viendra dire de la chair. Il va frapper la publicité et tu auras honte. Alors, Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Donc il y avait l'heure de la prière. Mais ça est monté pour arriver à temps. Amen. Amen. C'est pourquoi on doit garder la parole de Dieu. Là, on dit que la femme ne peut pas prêcher. Elle ne peut pas prêcher. Oh non, vous voyez, Dieu espérera beaucoup de gens. Oh, Dieu espérera beaucoup de fidèles. Cette femme-là prêche, touche le cœur. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Non, elle n'a pas le Saint-Esprit pour elle. Beaucoup de gens commencent à tourner les yeux vers le monde. Et d'autres même ont été emportés par les cris de la foule. Vous savez, lorsque Pilate avait arrêté Jésus, il a demandé au peuple. Je les relâcherai. Je vais les relâcher. Parce que je l'ai examiné, je l'ai trouvé sans défaut, sans faute. Mais le peuple qui est crucifié. Il a fait ça deux fois. Et la troisième fois, les cris de la foule crucifient Jésus l'a emporté.
il a ordonné qu'on puisse mettre crucifié Jésus. Si tu étais là quand Pilate confessait que Jésus était juste, tu allais dire que Pilate c'est un bon prédicateur. Il est en train de sanctifier Jésus-Christ. Si tu étais là la deuxième fois, tu rentres à la maison, tu vas témoigner Pilate est un bon prédicateur. Mais si tu restais jusqu'à la fin, tu vas témoigner que Pilate était devenu un apostat. Pilate écrit de la foule l'avait emporté. Il avait ordonné qu'on puisse mettre Jésus-Christ à mort. Il y a aussi des gens comme ça aujourd'hui. Et Pilate, qui entendent et qui sont influencés par les cris de la foule. Il avait bien commencé l'évangile éternel. Je vous ai la rigueur. Nous sommes un peuple à part. Nous confessons la totalité de la parole. De la doctrine des apôtres. Mais à un certain moment, ils ont dit non, frère. Ces choses ici ne vont pas nous permettre à vivre dans l'aisance. D'être dans le confort. Ils sont devenus des apostats. Ce sont des Pilates. Ils ont crucifié Jésus. Lorsque le Saint-Esprit a voulu écrire l'histoire de Pilates, le Saint-Esprit n'a pas regardé le commencement de Pilates. Parce qu'on est mieux pour la fin d'une chose que son commencement. Le Saint-Esprit a parlé dans la bouche des apôtres. Il a dit, Hérode, post-Pilate, Pilato, et le peuple d'Israël, ils se sont opposés à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il a vu la fin de Pilate. Il a compté la fin de Pilate. Il n'a pas compté le début là-bas. Mais il a compté la fin. Parce qu'on est couronné si l'on garde la parole jusqu'à la fin. On n'a pas écouté les cris de la foule. Mais tout ça, Masoana, tu dois t'être enseigné. Et si tu n'es pas enseigné, il y aura un moment de ta vie, tu vas nous quitter. Ce n'est pas d'abord important que nous allions vite en maison. Et ça, et puis moi je suis contre un système qui commence à s'ériger. Donc à chaque fois qu'on prêche là, on enseigne, à la fin on est toujours des hommes, tu auras un mariage, tu auras des voitures, tu auras des maisons. Maintenant les assemblées des saints, j'ai regardé les enseignements, je les ai observés, mais j'ai dit les apôtres n'ont pas enseigné comme ça. Donc à la fin, donc les prédicateurs ne peuvent pas achever une prophétie, un enseignement dans la révélation. Non. Le premier ministre ne peut pas achever sa prédication en disant aux gens, soyez des saints. Non. Il doit achever son enseignement et les maisons. Tu vas te donner des enfants. Surtout les femmes qui sont stériles ont trop souffert. Non, c'est pas comme ça qu'on a prêché. Moi aussi, je suis votre frère. Peut-être je pourrais me rapporter avec les mêmes faiblesses que les vôtres. Mais moi, je prends mon temps aussi à vérifier, à lire les Écritures. Tu as la Bible avec toi. Mais tu ne la lis pas. Moi, tu es facilement dupé, tu es trompé facilement par les gens. Toi, tu es le peuple de Dieu. Tu es
tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur sait que tu as besoin social. Le Seigneur le sait. La Bible dit là, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. Ce sont les païens qui s'inquiètent pour ça. Mais votre Père qui est dans les cieux, ce de quoi vous avez besoin. Aujourd'hui, les enseignements sur le social et le matériel rivalisent les enseignements de profondeur. Non! Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui méditent la Bible comme ça. Dieu lui révèle des choses. Mais il se dit, comment est-ce que je veux prêcher ça? Mais c'est seulement vous qu'on va prêcher. Donc on doit s'efforcer à vous prêcher ça. Mais vous aussi, vous devrez exercer votre oreille à écouter ça. Parce que ce sont des choses que tu as préparées pour ta perfection. Par exemple, nous sommes là. Dans Maman Elie. Maman Elie. Elle a son fils. Mais son fils ne grandit pas. Elle ne reste qu'un petit garçon. Elle sera malheureuse. Mais comment il a déjà 10 ans, mais il est toujours rabougri. C'est toujours comme ça aussi avec Dieu. Et dans la première on doit grandir dans la parole. Et c'est donc quoi la catalité. J'avais dit que ça ne sert à rien que nous allons d'abord vivre dans personne. Et ça dit dans la tombe de la on doit considérer l'enseignement. Et c'est venu donc la motou et la ici. Aujourd'hui, on a multiplié trop de séminaires. Et le temps tient pendant la minute et bénir pesa. On va faire des séminaires. Et pour ça, minou le boy. Par la fin là-bas. Souka, prier pour les gens. Nous aurons des maisons. Nous aurons des voitures. On va payer beaucoup de gens. Ça, ce n'est pas la perspective des choses que Dieu fait. Donc, pour avoir une maison, on a toujours lancé un séminaire pour toi. Ce n'est pas ça. Et un séminaire veut dire l'exploitation d'un sujet en groupe. C'est ça le séminaire. On peut faire un séminaire sur le sceau des livres d'Apocalypse. Donc on fait un séminaire vraiment. En raison d'abord des cieux. Puis on vient l'exposer au peuple. C'est ça le séminaire. Ce n'est pas qu'on veut qu'on te dise que tu as le mariage. Non. Il y a des choses difficiles dans les Écritures. Et quel jour nous allons expliquer toutes ces choses-là? C'est pourquoi on doit désirer la parole de Dieu. Et puis habiter en nous. Parce que la manière dont je fais l'observation des églises, vraiment beaucoup d'églises n'ont plus Dieu. Dernièrement, j'ai vu les débats des pasteurs des groupes de prière, des Bitoulukou. Ils sont en train de se disputer la place des représentants. Je me dis, est-ce que Jésus avait établi ces gens pour se disputer cette place? Maintenant, ça fait des camps. Il y a d'autres qui sont assis dans les hauts conseils d'eux. Au conseil de l'église des réveils. Il y a d'autres qui sont dans les RSC. Ils sont en train de se disputer là-bas. Mais ils se chamaillent même. Donc si tu as l'enseignement, frère, tu vas voir que ces hommes-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, donc naturellement comme ça, il refuse des grades. Il refuse de toujours passer devant les autres. Parce que le Saint-Esprit l'enseigne, lui enseigne l'humilité.
Vous voyez, les disciples avec Jésus, lorsqu'ils étaient ensemble, Jésus leur disait, le fils de l'homme doit partir. Il est devenu sur la terre. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Les disciples ont entendu Jésus parler. Ils ont dit, cet homme va partir. Il va mourir. Maintenant, qui va rester le plus grand entre nous? Ils étaient en train de discuter. Qui sera le père? Le père! Qui sera le conducteur? Oh frère, tu as l'esprit d'Abimelech. Abimelech, le fils de Gédéon. Abimelech est moi l'ingénieur. Il était parti parler à la famille de sa mère, de Shishem. Voulez-vous que tout le fils de Gédéon puisse être revanché? Ça, c'est l'esprit d'Abimelech. Et puis il a tué ses frères. Pour le pouvoir. Ils ont commencé à discuter. Jésus les a entendus. Il leur a dit, vous savez, les princes de ce monde, les princes, les dominateurs de ce monde, ils sont en train de les tyranniser. Ils ont tyrannisé pour Nyokola. Les grands de ce monde font de leur peuple des esclaves. Mais il n'en sera pas de même avec vous. Jésus avait vu comment est-ce que le président du monde dirige le pays. Il a vu les États-Unis, il a vu au Congo, il a vu en Afrique, il a vu en Europe. Vous ne resterez pas des nominateurs comme le président de la République à l'église. Mais aujourd'hui, les gens ont adopté ça. Aujourd'hui, il y a des conducteurs uniques dans l'église. Les gens ont adopté ça. Non, on ne peut pas diriger avec plusieurs personnes l'église de Dieu. Dieu l'a appelé aussi pour perdre les troupeaux. La Bible dit. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé l'évangile. Pour ceux qui annoncent l'évangile sont des conducteurs. Amen. On est établi ministre. Donc, il est conducteur. Tu ne peux pas le lui refuser. Non, il doit toujours avoir quelqu'un au-dessus pour faire moi, frère. Ce sont des systèmes qu'on a adoptés dans l'église de Dieu. Et plus triste encore, on a des choses qu'on appelle des poids politiques dans l'église. Donc il y a des ministres qui ont beaucoup de fidèles. Il impose sa décision sur les autres. Pourquoi? Parce que lui il a beaucoup de fidèles. Amen, si la chose n'est pas la parole. Mais ces gens-là ont adopté ça dans l'église de Dieu. Ils conduisent l'église de Dieu comme ils veulent. Et ça ne leur fait rien. Et nous aussi, on veut adopter ça dans l'église. Non, on ne conduit pas l'église.
l'église comme ça. L'église va Dieu établit ministre. L'autre aussi est établi ministre. Nous sommes tous des conducteurs. L'esprit de vouloir dominer sur les autres, c'est la politique. Si tu veux être ministre de l'église locale, il y a l'ancienat. Tu dois accomplir les critères de l'ancienat. Pour devenir ancien dans l'église. Alors tu vas devenir conducteur aussi des autres. Mais les autres aussi sont ministres. Parce que le ministère c'est pour le corps, le monde entier. Remplis les critères de l'ancienat. J'ai vu dans la Bible, on a établi des anciens, on les a nommés. Paul est venu dans l'église, lui-même il a nommé, il a regardé comme ça. Toi tu remplis les critères, il les a établis anciens, lui il est parti. Paul a eu l'église, parce qu'aujourd'hui l'église doit être dirigée par les anciens. Si il n'y a pas d'anciens, tous les ministres peuvent diriger l'église. Parce que quand Josué est parti, il avait laissé Israël entre les mains des anciens. C'est ça la Bible. Quand Paul voulait prêcher la direction d'une église locale, il a appelé l'ancienat là-bas dans l'ombre. Il y a beaucoup de gens qui nous trompent. C'est Paul qui a enseigné la parole. Il n'a pas dit que si tu veux diriger l'église locale, regarde Moïse, il était un prophète majeur. Non. Regarde Aaron, il était souverain sacrificateur. Vous savez qu'Aaron était souverain sacrificateur. Et qu'autour de lui, il y avait notre sacrificateur. Et vous savez aussi qu'en Israël, il y avait des rois. Qui avaient des juges. Quand il voulait parler de la conduite de l'église locale, il a enlevé d'abord tout. Ces gens-là. Il n'a parlé que des anciens. Mais c'est simple. Nous sommes édifiés sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Jésus, la pierre angulaire. Où est-ce que c'est difficile? Quoi c'est ça? Oh non, c'est pas une seule personne. Donc lui, il a la pensée de l'église. Et son église qui a peu de fidèles. On va te laisser une église de 8000 fidèles. Dieu, il met les gens à l'épreuve. Il veut vraiment que tu aies 8000 fidèles. Pour que tu ressentes vraiment la charge. Il y a d'autres enseignements qu'on change seulement par les circonstances. Ah, tu vois vraiment avec cette circonstance, vraiment, on doit bien vérifier l'enseignement. Ah, à l'église de Jérusalem, il y avait beaucoup de prédicateurs. L'église à Jérusalem, il n'y avait pas seulement 12 apôtres. Il y avait aussi des prophètes là-bas. Il y avait Barnabas aussi qui était là. Silas et Jude étaient aussi des prophètes. Mais les apôtres étaient mis un peu en avant parce qu'ils étaient des témoins directs. Il y avait aussi les anciens, ils étaient là. Ils ne se précipitaient pas les choses. Mais vous devez être enseigné. Enseigné sur toutes ces choses-là. Sinon, vous allez finir dans ces églises-là et perdre votre salut. Ici, malgré nos faiblesses, nous en dirons tout. Pour vous enseigner la parole qui est pure. Nous prions, nous lisons pour vous enseigner la pure parole. Et nous vous certifions que la parole que nous vous enseignons, c'est la vérité.
Mais tu vas arriver quelque part, on a seulement besoin de tes biens. Tu vas regretter ces lieux. Tu verras que ces lieux étaient petits, mais c'était redoutant, mais c'est moi qui ne les savais pas. Parce que parfois quand tu es dans l'abondance, tu ne remarques pas encore la fin. Lorsque tu seras dans la fin, tu vas regretter ton abondance. Mais maintenant tu ne le vois pas encore. Il y a des choses difficiles à enseigner. Comme notre thème. Nous avons trouvé. C'est toute la Bible, frère. Tous les prédicateurs qui sont passés ici ont montré que c'est toute la Bible. Parce que nous avons trouvé. Si nous prêchons ça dans les détails, vous allez voir que c'est toute la Bible. Parce que c'est lui qu'on a trouvé. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est toute la Bible. Moïse a parlé de lui. Les prophètes ont parlé de lui. Et même les prophètes qui ont parlé de lui étaient les signes de lui-même, Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Que Jésus-Christ devrait mourir. Jésus-Christ, c'est la gloire. Et entrer dans la gloire. Mais à quoi dans la guerre, mourir à Koufa et entrer dans la gloire. Mais à quoi dans la guerre, si nous exploitons cela dans les détails, vous allez voir que c'est un grand enseignement, c'est toute la Bible. Et d'ailleurs, tout ce que nous enseignons ici, c'est lui que nous avons trouvé. Parce que Paul le dit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Alors c'est toute la Bible. Alors tu dois être prêt. Prêt à connaître les mystères de Dieu. Comme les sous-terres qu'on avait pris du temple. On avait montré que les temples, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui était bâti afin que le peuple puisse obtenir miséricorde. C'est Jésus-Christ. J'avais dit que Moïse en avait parlé. Et les prophètes aussi en ont parlé. Esaïe qui annonce que l'Éternel sera un sanctuaire. Alors si on se met à vérifier. Où est-ce que le Seigneur est venu comme un sanctuaire? Et on va voir que il est venu sanctuaire en Jésus-Christ. Afin que les gens puissent obtenir miséricorde. J'avais dit le jour de mon intervention que les temples ou les tabernacles, c'est pour relier le peuple à Dieu. Salomon avait dit, Dieu veut habiter dans les ténèbres. Mais moi je lui ai bâti une maison afin que ça soit sa demeure éternellement. Donc Dieu dans ses habitudes il aime les ténèbres. Donc tu ne peux pas les trouver. Il aime les mystères. Maintenant on veut mettre Dieu en évidence. Maintenant on veut mettre Dieu en évidence. Il faut les temples. Et c'est la vie des temples. Donc s'il y a les temples, c'est-à-dire c'est Dieu invisible qui devient visible. Et là quand les gens viendront, ils obtiendront miséricorde. C'est pourquoi il est écrit. Car Dieu était en Christ. Il les a réconciliés comment? En imputant point aux hommes leurs péchés. Quand on dit aux hommes qui se sont réconciliés avec Dieu, cela veut dire Dieu a effacé seulement leurs péchés. Quand les péchés s'effacent là-bas au sanctuaire, il y avait un service qui était
compris. C'est pourquoi lorsqu'il est venu sur la terre, les Juifs ne l'ont pas compris. Il a pardonné les péchés. Il pardonnait les péchés des gens. Il purifiait même les lépreux par la parole. Les martyrs avaient parlé de la purification des lépreux. La purification des lépreux. Dans la loi, quand les lépreux étaient guéris, on l'envoyait au temple pour aller se faire purifier chez les sacrificateurs. Et puis on dit qu'il devenait pur. Il offrait des offrandes, on faisait des cérémonies pour lui. Il y avait des choses, des sacrifices qu'on prenait pour les purifier. Mais ces jours-là, les lépreux ont rencontré Jésus. Jésus les a guéris. Il les a dit, allez, allez vous présenter au temple chez les sacrificateurs et offrez l'offrande que Moïse avait ordonnée. En allant, ils se sont retrouvés qu'ils étaient guéris. Un de leurs qui était à l'étranger est retourné. Lorsque Jésus l'a vu, Jésus lui a dit, où sont les autres? Où sont les autres? Il fallait qu'ils lui disent. Mais tu nous avais envoyé là-bas au temple. Mais c'est seulement moi qui suis retourné vers toi. Jésus voulait montrer le véritable temple. C'est lui-même Jésus. Mais cet homme-là l'avait compris par la foi. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ils sont guéris de leur lèpre. D'autres se sont attachés au temple physique. Mais l'autre est revenu au temple spirituel. Il a compris que les sacrifices, c'est cet homme-là. Mais il y aura un temps où il va reconnaître que la purification s'était faite aussi sur lui. Pourquoi au véritable temple qui est Jésus-Christ? C'est Jésus, toute la Bible. Jésus a prêché le Lévitique 14 en peu de mots. Il a créé seulement la circonstance de lépreux. Tu dois retourner dans l'ombre pour voir ce qui concerne les lépreux. C'est lui le sacrificateur qui sanctifie les lépreux. Qui aujourd'hui, Deutéronome ou Lévitique 14, c'est Jésus-Christ qui le fait. On n'a plus besoin de toutes ces choses-là. Et toi, tu dois connaître ça. Parce qu'une femme doit connaître son mari. Ne sont pas comme une femme. Où on étend les mains comme ça de plusieurs hommes. On dit choisis la main de ton mari. Elle échoue. Elle a choisi la main d'une autre personne. Ça va créer des problèmes. C'est ça les gens de la rue. Ils confessent Jésus qu'ils ne savent même pas. Lorsqu'on a demandé à la femme, qu'as-tu ton bien-aimé plus qu'un autre? Qu'as ton bien-aimé plus qu'un autre? Il y a un autre qui sont bien aimés plus que lui, mais en quoi? Et la femme dit, mon bien-aimé, il est blanc et vermeil. Voilà. Donc il est blanc et il est vermeil. Il a commencé à le décrire. Vous voyez? Il a dit que son corps est d'ivoire, couvert de saphir. Et là, il s'en va la saphir. Vous voyez l'ivoire? C'est
c'est une matière qui vient de l'éléphant. L'éléphant. L'éléphant, c'est un grand animal. Donc on a dit nyama monene. Il est gigantesque, il est grand. Attendez monene. Le trône de Salomon aussi était un trône d'ivoire. On avait fait ça en ivoire pour montrer que le royaume de Salomon, sa volonté, c'est un grand royaume. C'était le trône d'ivoire. Mais elle dit que son mari a le corps d'ivoire. Cela veut dire c'est un homme grand. Mais son corps est couvert de sa fille. Donc c'est un homme miséricordieux. Parce que sa fille, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, Paul nous parle d'une qualité de Dieu. Une qualité. C'est quelque chose de bon. Le il dit longanimité. Longanimité. La longanimité, c'est quoi? La longanimité, c'est quoi? Donc, c'est une dimension de miséricorde qui est tellement grande. Mais en telle sorte qu'il peut supporter un autre faible, même s'il l'outrageait. Vous voyez des gens qui sont comme des maîtres du quartier. Les gens forts, les vaillants. Parfois, on peut lui manquer du respect chez quelqu'un qui est pas de son niveau. Il est mince. Quand il les regarde, mais il les supporte. Cette grande miséricorde là. Mais supporter les êtres faibles, même s'ils te font du mal. Ce qu'on appelle l'onganimité. Et on a trouvé ça en Dieu. Nous faisons un exercice tel que nous sommes là. Toi-même, conçois seulement que Dieu te frappe à cause de tes péchés. À cause de tes faiblesses, est-ce que tu veux exister? Toi, tel que tu es là, combien de fois as-tu déjà repris des mal pour lesquels tu as déjà demandé pardon? Tu pardonnes, moi tu réponds. Parce que son corps est d'ivoire couvert de saphirs. C'est un Dieu de miséricorde et de longanimité. Cet attribut-là. C'est comme la prière qu'on avait hier. Toi, tu n'étais pas venu. Nous, on avait supplié Dieu. Moi aussi, j'avais vu la main de Dieu. J'avais senti dans la prière hier que Dieu écoute la supplication. Parce que c'est un Dieu. Son corps est d'ivoire. Mais couvert de sa vie. Mais sa fille, c'est la grâce. Sa fille, malgré qu'il est grand, malgré qu'il dépasse les cieux et la terre, mais c'est Dieu qui accorde des miséricordes. C'est un Dieu qui fait grâce. Si tu gardais seulement les souvenirs de tes péchés, mais tu ne peux pas subsister à ce moment. Mais ne faut pas te foutre de la miséricorde de Dieu. Tu vas connaître Dieu. Et c'est par l'enseignement. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Nous voulons faire que notre église ne prenne pas le modèle des églises du monde. Ou pour que les gens te comprennent, on a toujours des ordres. Tu auras des mariages. Tu auras de l'argent. Tu auras des maisons. On fait déjà de prêcher les choses spirituelles. On descend maintenant des choses charnelles. Si Dieu veut te donner tout ça là, on ne va même pas te les prêcher. On ne va même pas te prêcher toutes ces choses. Dieu va te donner ça. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir plus le cœur là-bas.
Toujours les mariages, mariages. Surtout nos jeunes soeurs, mariages. Pour lui, les terminus, c'est les mariages. Non, après les mariages, il y a une vie. J'ai une vie éternelle à gagner. S'il y a des gens dans ce monde qui ont célébré des beaux mariages, ce ne sont pas des saints. Qui ont célébré des mariages où ils ont dépensé beaucoup d'argent, ce ne sont pas des saints, ce sont des profanes, ce sont des gens du monde. Et puis avant que Jésus ne vienne, les gens se mariaient. Ils faisaient des mariages de valeur. Les gens faisaient des maisons, ils vendaient. Si seulement Jésus était venu pour ça, il serait resté là-bas. Parce que ici déjà les gens mariaient avant toi. Mais il n'était pas d'abord venu pour ça. Vous devez vous exercer à écouter l'enseignement. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui ou demain, tu pourrais te retrouver en Europe. Tu pourrais te retrouver aux États-Unis. Tu pourrais te retrouver même en Océanie. Je te dis que celui qui conduit tes pas, c'est Dieu. Tu es en train de te dire, oh non, je ne veux pas me. C'est lui qui conduit tes pas, c'est Dieu. Je suis arrivé quelque part. J'ai dit à Dieu, je ne m'attendais pas à me retrouver ici. Mais qu'est-ce que je vais faire? En pleine pousse. Je me dis, mais comment je me suis retrouvé ici? Comment j'avais accepté que je sois ici? J'avais compris que c'est lui qui conduit les pas des gens. C'est Dieu. Il veut te faire perdre la mémoire. Tu acceptes les contrats que toi tu ne sais pas. Non, tu vois comment ces contrats chutés, il y a un contrat qui a beaucoup d'argent. Tu t'en vas. Okay. Et quand tu te retrouves là-bas, tu as l'argent, mais tu te poses la question, comment je me suis retrouvé ici? Est-ce que j'avais un bon sens quand j'acceptais ces contrats? Alors si tu n'avais pas l'enseignement, là tu vas commencer à appeler. Pasteur Tite. Le problème ici, l'écriture là. Et aujourd'hui, même avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a facilité les choses, mais ça n'assouvit pas vraiment tel que nous le voulons. Parce que l'homme est toujours celui qui aime le direct. Vous voyez? Et c'est pourquoi il faut aimer l'enseignement. Tu vas te retrouver en Inde, en Chine, là-bas, il y a beaucoup de statues. Et puis pour eux c'est normal. Et ce n'est pas une abomination. Mais toi tous les jours en voyant des statues, tu auras toujours le cœur qui bat très fort. Et on t'entend là-bas, oh non, le frère est devenu musulman. Il est devenu musulman, il est à Dubaï, ces derniers temps il est là-bas à Dubaï. Il est devenu bouddhiste. Il est devenu bouddhiste. Pourquoi? Pour la parole de Dieu ne veut pas habiter à toi abondamment. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a fermé la foi en écoutant beaucoup. Surtout dans ces choses-là. Pour que vous puissiez bien comprendre, la seconde a toujours parlé du mariage à la fin. Non. C'est comme ça qu'il faut enseigner. C'est comme ça que les apôtres ont enseigné. Ils enseignaient beaucoup de choses spirituelles. Et pour enseigner notre Dieu, disait, déchargez-vous seulement de tous vos soucis et lui il prend soin de vous. Mais il mettait des règles et des principes concernant la foi chrétienne. Nous nous sommes les descendants des premiers chrétiens là. Si nous ne sommes pas leurs descendants, je ne sais pas qu'est-ce que nous faisons ici. C'est pourquoi on doit aimer l'enseignement. Et persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alors tu seras affermi. Alors tu vas grandir. Il y a d'autres choses que tu fais.
maintenant là. C'est seulement parce que tu n'as pas compris certaines choses dans la foi. Ce sont des choses que moi j'ai expérimentées. Les langages que j'avais hier, je ne l'ai plus aujourd'hui. Parce que j'ai compris certaines choses. J'ai compris que c'est la foi qui est plus que tout. Tu es attaché à certaines choses parce que ta foi n'arrive pas à surmonter ça. Mais tu dois décider que la parole de Dieu habite abondamment en toi. Ici, nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Et la seule façon d'échapper à ce monde, la seule façon, c'est l'enseignement. C'est la parole de Dieu telle que nous prêchons là. Et personne ne vous trompe. C'est l'enseignement, la parole. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens. Disons qui ont abandonné la parole. À force de vouloir avoir des enfants, tu vas aller prier librement dans l'église des Branamis. Ok, il faut s'amener à l'église des Branamis. Toi, tu te gênes même pas qu'il y a la photo d'un homme mortel. Mais seulement quand tu vas avoir un enfant, quand tu vas avoir de l'argent, tu réunis même Jésus-Christ. Pourquoi le message des malades c'est régner Jésus-Christ? C'est qu'on a écouté aujourd'hui, c'est régner Jésus-Christ. Pourquoi un homme qui est comme Moïse en ces temps, c'est régner Jésus-Christ? La parole pure. Il va savoir que Dieu peut te donner tout. Quand il veut, quand il veut, et d'ailleurs il fait toute chose bonne à son temps. Tu crois vraiment que tu n'as pas de péché, mais tu n'as pas d'argent. Parce qu'il fait toute chose bonne à son temps. Toi, persévère seulement dans la prière. Amen. C'est pourquoi il faut aimer l'enseignement. Prochainement, nous allons encore entrer en profondeur de notre enseignement. Aujourd'hui, on a voulu exhorter comme ça. On a voulu exhorter comme ça. Pour vous réveiller un peu. Nous ne voulons pas nous égarer comme les autres. Beaucoup se sont égarés. Quand on regarde comme ça, on dit vraiment. Est-ce que c'est ça qu'on avait cru au début? Est-ce que c'est à ça qu'on avait cru au début? Lorsque nous étions venus ici dans l'évangile, c'est parce qu'on manquait l'argent. C'est parce que nos parents étaient pauvres que nous étions venus ici. C'est parce qu'on manquait des enfants qu'on était venus ici. Alors pourquoi on veut rejeter l'idée que l'idéal est pas l'idéal? Pourquoi on veut rejeter ce qui fait notre force? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie. Amen. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Il puisse te donner la force de persévérer sur ce chemin, de persévérer dans l'enseignement, d'aimer l'enseignement de Jésus-Christ, de garder la vie de la sainteté. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Oh,
Dieu, mon roi, oh Jésus. Sambe na basanto elonga solo Jésus Christ. Aïna yoke abaïma wa, oh Dieu. Et comme ami était sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Yo mon Dieu, mon roi, pisanaï ma gazi, oh Dieu. Abati la yobana yo, Seigneur, Yahweh, Zabé, Nabuya, Moroche, mon ami Jésus. Abati la ta parole et la vérité, oh Dieu, Zabé, Nabuya. N'attaquate, oh Jésus-Christ, Moroche, mon ami, Yahweh. N'arrêtez ni ferme, Seigneur, la profession de ma foi, oh Dieu, Zabé, Nabuya. Comme la Bible dit, Seigneur, tu es vraiment vous attacher aux choses, Yahweh, mon Dieu, mon roi, oh Dieu. Que nous avions entendu, oh Jésus le Père, que nous soyons emportés loin d'eux. Yahweh mon Dieu, mon roi, oh Jésus.